bonjour à tous, c'est Dixto67 pour un nouveau tuto, un tuto qui se réalisera donc entièrement sur After Effects. Ce tuto c'est une transition, donc vous pouvez le faire entre deux clips ou comme je vous montrais, donc c'est pas deux clips. Je vais essayer d'envoyer ce tuto à MAF Tuto. J'espère qu'ils l'accepteront. Donc c'est un peu sur, on va dire que c'est basé sur le tuto de KMZ, faire un dégradé comme ça laser. J'ai regardé. C'est pas pareil, vrai. Donc je sais pas encore comment je l'appellerai. Faudra que je trouve un nom. Et donc on commence tout de suite. Donc je voudrais juste vous informer que je suis en compagnie de The Banu67, donc qui est en train de jouer à la PS3 derrière moi. Donc si vous entendez des petits bruits, genre de sniper comme ça, c'est lui qui joue derrière moi. Donc c'est voilà. C'est juste une info. Donc on commence tout de suite. On va sur After Effects, CS6, CS5, comme vous voulez. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est une transition, vous voyez, comme ça. Hop, et ça vient sur l'URL, donc vous pouvez le faire dans une intro. Donc ouais, on voit Capt Optical Flare, on peut courber comme ça, hop, et ça vient. Et on va aussi apprendre à faire ça. Donc ça c'est vraiment bidon à faire, voilà, hop, un laser qui balaye l'URL. Donc on commence tout de suite. On va créer un projet. Ctrl Alt N si vous voulez. Moi j'enregistre pas, voilà. Donc ça lag un peu, ça peut, voilà, c'est normal, je viens d'allumer mon PC. Donc After Effects ne répond pas, voilà. Donc on va importer, vous importez votre clip ou vos clips. Donc moi j'ai pas de clip, enfin je vais prendre ce que j'ai pris, je vais refaire. Hein. Je vais modifier les couleurs par contre, donc je cherche ma vidéo. Là. Alors voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, donc si maintenant vous voulez faire comme dans une intro, donc comme je vais faire une URL, je sais pas. Donc ça lag vraiment beaucoup, c'est bizarre. Ouais, j'ai rien ouvert pourtant. Voilà, bon, je vais mettre en un quart pour faire les rendus plus rapides. Donc si c'est voilà comme ça, c'est pas grave. Donc je vais mettre à la fin comme j'avais fait. Voilà, à peu près 20 secondes à peu près. Donc j'avance, voilà, 20 secondes, je veux que ça commence. Donc déjà on va créer, vu que ça va venir sur un calque noir, on va créer un solide noir. Donc créer un solide et de couleur noire ou blanc, hein, ça c'est vous qui choisissez. Donc voilà, donc là il y aura l'URL. Donc ensuite on va superposer, donc on va le placer en dessous de notre vidéo. On va le ramener comme ça. Donc voilà, donc c'est là que va se prendre, que va s'effectuer la transition. Donc à 20. On va cliquer, donc ouais, je vais le placer pile avant. Voilà, on va sélectionner notre composition. Voilà, dans effet transition et CC radial scale wipe. Voilà, et donc là, si ça fait ça, vous voyez, donc c'est l'effet qu'on cherchait. Donc hop, voilà, ça zoom. Vous voyez, voilà. Donc on va se placer à 20. On va mettre une image et par exemple 15 micro millisecondes après. Voilà, ici. Ah, moi j'ai déjà fait l'effet. Donc je viens de faire un fail. Donc c'est pas grave, je vais faire un peu plus tôt. Donc en fait, ouais, j'avais déjà fait la vidéo. Donc voilà, je vais le passer par exemple ici. Donc là, quand le canon éjecte. Voilà, donc là, je vais le mettre là. Donc on resélectionne notre compo. Voilà, donc on va dans effet. Transition et radial skyway. On fait une image. On va. 15 microsecondes après, donc je l'ai mis à combien? Bon, allez, je vais me placer à 13-15. Donc c'est juste le tuto, voilà. Donc 13-15, je mets une image et 15, donc à 14, je mets 100. Voilà. Et donc voilà, c'est mon emploi. Bon, on a ça, hein, vous voyez, hop, notre clip se déroule et d'un coup, voilà, ça fait ça. Bon, c'est pas terminé. On va créer un solide. Donc calque, créer solide. Moi je le mets blanc pour les optical flares. Donc vous devez posséder le plugin optical flare. Sinon ça marche pas. Effet vidéo copilot. Optical flare. Donc on attend que ça démarre. Voilà. On va personnaliser notre lumière. Donc je vais prendre comme celle du tuto. Donc on va tout supprimer.
prendre un glow et un streak. Voilà, on va baisser. Non, on va laisser comme ça. Voilà, vous changez rien du tout, vous laissez juste comme ça. Ok. Ici, dans color, vous mettez une couleur que vous voulez. Donc, moi, j'avais mis un peu une couleur comme ça. Un peu plus bleuté, voilà. J'ai mis une couleur comme ça. Je vais mettre du jaune. Juste comme ça, pour voir comment ça fait. Ça a l'air sympa. Voilà, un peu plus foncé, voilà, comme ça, du jaune comme ça. Ensuite, on va dans render mode, on va mettre on transparent. Voilà, on a notre lumière. Donc, hop, CTRL Z. Donc, ensuite, on va se placer donc, au début. Donc, moi, je l'ai mis à 13-15. Donc, on se met à 13-15. Voilà. On va mettre le même effet. Non, on va d'abord, donc, vous sélectionnez l'optical flare, vous allez dans effet. Et vous allez chercher transition. Non, attendez. Déformation. Coordonnées polaires. Voilà. Donc, on a ça. On va mettre ici type de conversion. On va mettre polaire, donc rectangle à polaire, et on va changer ça, on va mettre 100%. Et voilà, ça forme un cercle. Ensuite, on aura juste maintenant, si vous voulez, donc moi je vais mettre une lumière ici et juste en bas pour aller plus vite. Je vais vous montrer comment faire aussi. Si vous voulez en mettre plusieurs, ben, libre à vous. Ensuite, on va aller dans transformer. On va centrer. Donc, vous voyez, on va un peu la centrer parce que c'est pas tout à fait au centre. Voilà, désolé. Donc ensuite, on va se placer au début, donc juste avant. Voilà, ici on va mettre échelle 0, voilà, et mettre une image. Hop. Ensuite, on va se placer à la fin quand ça grandit. À peu près jusque voilà, juste ici, et on va augmenter l'échelle. Ça, voilà, vous mettez, on met une image et encore on va à la fin. Donc à peu près 3 images après, on va mettre, voilà. Donc là, ben, si on regarde, ça donne ça. Je vais faire un rendu, c'est pas trop long. Voilà, vous voyez que ça suit bien et voilà, ça grandit. Donc j'ai pas trouvé comment enlever ça, donc l'aura jaune, et puis ici aussi à l'intérieur, parce que je trouve pas ça très beau. Donc moi j'ai, voilà, ici à peu près. Donc quand, une fois que c'est tout noir, vous mettez opacité. Et une image après, vous mettez 0. Comme ça, bon voilà, ça s'agrandit. Et ça s'enlève. Voilà. Ensuite, on va en mettre une deuxième. Donc en haut, comme j'avais dit, donc vous allez prendre le blanc uni, donc le solide, avec la lumière. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Ça va nous mettre un deuxième. Ensuite, on va dans Options. On va changer, on va diminuer le streak. Donc on va le mettre super petit. Voilà. Réduire tout ça, le glow aussi un peu. Voilà, on va faire un peu plus petit. Ok, on garde la couleur. Et donc là, on va dérouler donc notre copie et rotation. Donc vous avez juste à changer et vous placer où vous voulez. Par exemple là-haut. Voilà. Et donc là, ça donne ça. Vous voyez, ça grandit. Hop, et voilà. Quand vous pouvez en mettre plusieurs, vous avez juste à dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V. Transformer, vous n'avez même plus à changer l'intensité, ou enfin, si vous baissez un tout petit peu, ça commence à devenir un peu. Oui, CTRL-C, CTRL-V. Attends, ça n'a pas pris. Voilà, et en quatrième, comme dans mon, comme dans l'animation, et on place là. Voilà, et donc là, ben, ça grandit bien. Voyez, hop, transition. Et voilà, donc maintenant, on va mettre une URL. Hein. Donc, vous allez créer un texte qu'on va placer ici. Vous écrivez ce que vous voulez, donc de préférence blanc sur noir, c'est France, c'est mieux. Donc je vais mettre youtube.com/, voilà, bon, je mets ça, hein. Les étoiles, hop, on va le centrer. Donc pour mieux aller, vous allez, voilà, comme ça, donc vous centrez, vous mettez, vous ajustez, hein, la taille et tout. Là, je vais mettre comme ça.
Donc là, vous voyez que le texte, ben, il fait rien, donc on va lui mettre l'effet pareil, donc sur transition radial scalawhite. On va se placer donc au début nouveau, donc pareil, hein, quand ça commence, donc 13, 15, enfin voilà, pareil, on va mettre 0, une image, et à 14. On va mettre ça. Sauf que vous voyez, ça disparaît, donc on va faire juste reverse transition. Et normalement. Non, en fait, non. Donc, vous faites. Attendez, je me rappelle plus. Ah oui, voilà. Donc, mettez reverse transition. Ensuite, à 13-15, vous mettez une image à 100%. Donc, vous mettez à 100%. Donc, reverse transition, 100%. On met une image. Et à 14, vous avancez que. On met 0. Voilà, donc là ça apparaît bien. Voilà, donc vous voyez, ça suit, hop, et ça crée. Maintenant, on va faire comment effacer. Bon, ça c'est vraiment super simple. Vous prenez votre texte, vous allez dans effet, transition, volet linéaire. Là, le pourcentage, vous voyez, hop, ça efface. Donc, vous mettez à peu près, vous cassez une lettre et vous regardez l'angle. Vous changez à peu près pour que ça soit en rond. Donc, c'est 260, je crois, un peu plus. Moi, j'ai mis 268 dans mon intro. 268, voilà. Donc là, ça efface comme ça, vous voyez. Donc par exemple, on va commencer à 15, on met une image, donc à 0, voilà. Une seconde, ça suffit. Donc on va à 16, et on met 100. Voilà. Ensuite, on va créer un calque, créer un solide blanc, donc ça sera une lumière. Effet vidéo copilote, vous la personnalisez comme vous voulez. Moi je vais prendre en transition, j'ai utilisé celle-là. Ouais, voilà, j'avais utilisé ça. J'ai augmenté ça et ça. Non, en fait, non, j'avais pas augmenté ça. Donc voilà, vous prenez une lumière là, hop, en vert transparent. Et donc là maintenant vous allez prendre et vous devez augmenter la luminosité jusqu'à ce que ça prenne, voilà, toutes les notes. Prenez une couleur, hein, je vais prendre du rouge. Non, non, non. Prenez une couleur au hasard, donc je sais pas. Du vert, en soi. Je vais prendre la même couleur, à peu près celle-là, voilà. Donc bon, ça sera un peu trop, moi j'ai mis 115. Sinon vous jouez que ça avec la taille du texte. Si vous voulez, voilà, c'est juste un tuto. Donc ensuite, bon, on va se placer nouveau début. Donc là, j'ai mis à 14, non 15. Voilà, donc 15. Donc on se place au début, donc du volet linéaire. On va le placer. Donc le pical flare, on place là. On met donc une image clé sur position. On regarde la fin. Là, à peu près. Donc je le fais vite fait, hein, parce que voilà, on met ici et normalement ça efface. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Et pour faire disparaître, après vous faites des jeux d'opacité. Enfin, ça c'est vraiment simple à faire. Donc voilà, le tuto se termine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ma tuto l'acceptera. Et donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Sur cela, je vous souhaite de bonnes vacances et à la prochaine. Ciao.